Rebonjour tout le monde, voilà, deuxième vidéo ce soir, voilà. Quand je reçois plusieurs courriers, je fais tout dans la même soirée, voilà. Donc j'ai reçu un autre courrier de Marie-Noël, donc c'est une nouvelle personne sur ma chaîne, elle m'a fait une superbe mail art, donc une enveloppe avec des jolies fleurs dans des tons jaunes, avec un pochoir, je pense, et c'est super joli. Je sais pas si vous le voyez ici. Et de super timbres, voilà, de personnes, voilà. Marco Polo, Jacques Cartier, Magellan, etc. Donc ça, je vais les garder, c'est sûr. Voilà, donc c'est Marie-Noël Stevan. Donc, elle est, il n'y a pas longtemps qu'elle est sur ma chaîne, je crois. Et elle commente souvent, donc merci pour tes commentaires. Hein. Nous allons voir ce qu'elle a mis. C'est gentil de tout mettre tes commentaires sur ma chaîne, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, je vais chercher la carte déjà. Voilà, je pense que... Oh, j'ai vu quelque chose de beau. J'ai vu mon dé. Ah, pas tout de suite, pas tout de suite. Oh là là, il y a des belles choses. Alors, est-ce que... Où est ton mot? Alors, je cherche déjà le mot. C'est là, oui. Et c'est dans la DDA. Oh là là, je suis contente. C'est ma première que je reçois. Je suis super contente. Voilà, ça me fait plaisir, plaisir. Oh là là, ça me fait plaisir. Que quelqu'un fasse une DDA, parce que j'en ai encore jamais reçu, c'est ma première, donc merci beaucoup Marie-Noël, elle l'a fait le 10 juin 2024, et c'est sa numéro 1, donc bravo, elle a mis un petit chat, une découpe blanche de chat à coloriser, et une petite pelote de laine là, trop sympa, un beau petit nœud sur le trombone, des petits cœurs, voilà, superbe. Donc, pas de, elle n'a pas de chaîne. Donc, dommage, hein, parce qu'elle fait des belles choses. Hein, regardez. Donc, merci beaucoup, je suis contente et fière de, mon, de ce DDA, de l'avoir créé. Et puis, contente que, voilà, j'aime un peu... Alors, elle aime un peu de toutes sortes d'animaux, sauf les reptiles. Ah oui, en priorité, quand même, les chiens. D'accord. Donc, elle aime beaucoup les animaux et... Sauf les reptiles. Ouais, c'est vrai que les reptiles, moi non plus, pas trop. Voilà, ben, je suis super contente. Je le colorise, je vais le colorier. Et puis, je le garderai précieusement de côté. Donc, voilà son mot. Donc, elle m'a fait une superbe carte hein, avec trois petites maisons. J'adore les maisons. Hein. Hello. Voilà, et tout. Des découpes de papier. Des petites portes. Les fenêtres, c'est mignon. Voilà, des découpes, c'est mignon comme tout. Voilà, et dedans, il y a encore quelque chose. Voilà, il y a encore un superbe tag. Alors, elle a fait une pochette. Et elle a mis ce tag dedans, créé encore et encore. Ah, c'est chouette, le, ton truc là. Les papiers en bois, j'adore. Ma couleur préférée, dans les tons mauve, violet, c'est beau. Vert, voilà, c'est superbe, ça va bien ensemble. Voilà, donc c'est un die. Ah, ben c'est le même tag que j'ai fait presque en défi, que j'ai eu en défi. Alors, ah, ben c'est quelqu'un qui lui a offert. Ben c'est bien. C'est bien parce que c'est marqué Patricia Thomas. Je sais pas qui c'est. Mais c'est bien, au moins, voilà, ça, ça partage et moi j'apprécie quand ça partage. Je vais peut-être le mettre comme ça de côté. Alors, elle a fait une jolie pochette avec sûrement une perforatrice, là, magnifique, avec des cœurs. Merci beaucoup. Donc là, il y a plein de choses. Alors, elle m'a fait des grandes découpes de fleurs, là. Magnifique. Voilà, des jolies fleurs à coloriser. Et là, celui-là, avec des... papillon. Ah, je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai pas, donc c'est super. Il est tout blanc, donc je pourrais m'amuser à coloriser aussi. Il y a un bon papier bien, bien épais, c'est génial. Super. Donc, ça, je pense que c'est mon défi. Hein?
Alors là, il y a plein de choses à côté. Je ne sais pas si ça va dedans. Non, on dirait pas. Je crois que c'est à part. Là, c'est des filles. Donc, je vais regarder déjà ça. Donc, elle a des jolies pochettes jaunes. Voilà, il y a plein de choses dedans. Voilà, des jolies pochettes jaunes. Elle m'a mis des jolies fleurs. Genre stickers, hein, je pense, transparentes. Là, j'adore. J'adore ces stickers transparents. Attendez, je vais vous les montrer. Ouais, c'est beau, hein. Magnifique. Voilà. Oh, c'est magnifique. J'adore ces stickers. Elle m'a fait des jolies petites. Je sais plus comment elle s'appelle, là, cette personne. Elle a un nom, cette poupée. Voilà, des jolis personnages. Oh, merci beaucoup. C'est bien parce que les personnages, j'en ai pas tant que ça. Voilà, les anciens personnages. Je pense que tu as eu ça peut-être chez Temu, je sais pas. J'attends de recevoir aussi une commande de chez Temu là. Je suis pressée de l'avoir. Ouais. Voilà. 10 jolies petites fleurs. Ah, c'est joli, c'est un genre de voile. Ah, magnifique. Il y en a 3, 4, 5. Il y a 5 petites fleurs comme ça, un peu voile. Je sais pas, elles sont magnifiques. Superbe. Donc il y a plusieurs pochettes. Hein, il y a 2 magnifiques papillons. On découpe. Voilà. Donc, il y a un gâteau d'anniversaire à coloriser. Et encore des images, oh magnifique. Voilà, des petites images, oh, c'est superbe. Des personnes vintage, quoi. J'adore. Ah, j'adore ces personnages. Alors, il y a les signatures en dessous, je sais pas. J'arrive pas trop à lire. Je vois pas trop qui c'est. C'est sympa comme tout, et il y en a des plus petites. Sympa, les anciennes dames, ça va bien pour le vintage, ça c'est superbe. Merci beaucoup pour tes cadeaux. Alors tu me diras si c'est pour la gagnante ou je sais pas, hein, du coup tu me diras parce que je suis un petit peu perdue. Voilà, alors là, ben, je vais pas le défaire celui-là. Il y a des jolies perles, des fleurs en papier qu'elle a dû faire. On va quand même regarder. Si, c'est trop joli. Oh, ces belles fleurs là. Regardez ça, ça s'est fait main. Oh, c'est des jolies couleurs. Hein. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est magnifique. Magnifique. Une belle jaune. Oh, ce sont jolies. Elles brillent, elles sont irisées. Elles sont belles. Je pense que c'est toi qui as fait. Tu me diras ça. Il y en a encore 2 autres, là. 3. Waouh. Donc, c'est tout plein de fleurs. On va les laisser. Avec des petites perles. Très sympa. Et là, ça doit être le défi. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a concocté, Marie-Noël? Est-ce qu'il y a un mot? Je voudrais savoir s'il y a un mot. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'un mot. Donc, il y a des jolis papiers, une tour Eiffel. Des petits restes de papier. Là, une théière avec le thé. Des petits papillons. Du bleu, c'est des libellules avec des fleurs. Voilà, ici de la lavande, j'aime bien. Ensuite un joli papier comme ça. Oh, elles sont belles tes petites perles là. Oh, joli comme tout.
tout des petites perles à découper là qui sont en ligne, c'est super sympa. Voilà, ici elle m'a mis des petites découpes. Alors, voilà, du mauve, du vert, plein de sortes de papier. Et là, c'est des citrons. Waouh! Voilà, encore des papiers. Ici, plein de papillons. Donc, tu me diras ce que je dois faire exactement. Parce que là, j'ai plein de papillons aussi à découper. Il y en a un sacré paquet. Et ici, des petites tulipes. Voilà. Alors, attention. Voilà. Celui-là, je l'enlève. Et ça, ça sera enlevé aussi. Ça s'enlève facilement. Ça va. Ça va, ça s'enlève. Ouais. Hop. Et celui-là aussi. Bon, je recouperai. Hein. Voilà. Donc, merci. Dis-moi ce que je dois faire. Parce que je ne sais pas trop. Il y a plein de papiers. Il y a des petits citrons. Il y a des fleurs. Il y a plein de papiers différents. Il y a toutes sortes. Il y a des petites perles. Il y a plein de papiers. Donc, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse comme défi. Tu me diras. Voilà. Si tu as un défi en tête ou si c'est juste un cadeau comme ça. Voilà. Je ne sais pas. Tu me diras ça. Vu que tu regardes toutes mes vidéos. C'est une abonnée super... comment dire, fidèle, on va dire, fidèle à la chaîne. Ah, mais j'ai encore autre chose. Oh, voilà. Ah, c'est ça le défi. Alors, tu me diras quoi, c'est en plus, quoi, c'est encore en cadeau. Waouh, il est là le défi. Mais oui, il est là. Waouh, 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 waouh. Alors, je n'ai jamais eu ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petites boîtes, non? Il y en a plusieurs. Il y en a 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5 découpes et on dirait des petites boîtes. Ça ressemble à des petites boîtes, je ne suis pas sûre. Je pense. Je pense que c'est un genre de boîte ou ah, des pochettes peut-être. Ah, c'est des pochettes. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Je crois. Je sais pas, il y a plein de pointillés partout. Là, il y a des petites ailettes. Ça va, doit aller dans le cœur, je pense, pour fermer. Alors là, je sais pas. C'est des pochettes. Oui, je pense que c'est des pochettes. Ça, ça se replie. Je fais déjà le défi. Non. Hop, voilà, d'accord. C'est des petites pochettes sympas comme tout. Voilà. Oh, c'est sympa. J'ai jamais vu ça. Et ça, on l'enfile dedans. Ah, sympa comme tout. Je pense que c'est ça. Oh, c'est pas évident. Mais voilà, et ça se ferme comme ça. Comme ça, c'est des petites pochettes, je pense. Je sais pas comment ça marche exactement. Des petits sacs, je sais pas. Là, ah ouais, là. Ouais, c'est sympa, sympa comme tout. Ouais, je regardais déjà. Hein. Je fais pas le défi tout de suite. Là, elle m'a mis plein de découpes aussi pour garnir. Garnir ces petites pochettes, je pense. Elles sont toutes blanches. Alors, voilà, il y a des petites abeilles. Une petite coccinelle, je crois. Voilà, c'est des abeilles. Il y a une jolie petite libellule. Des petits feuillages. Oh, des petits oiseaux. Trop mignon. Un petit feuillage, un petit papillon,
Une fleur. C'est tout des découpes pour garnir les petites boîtes, je pense. Voilà, des papillons, c'est tout blanc. Là, il y a une petite verte. Voilà, une petite fleur. Encore une petite herbe verte. Un petit oiseau. Oh, ça tombe bien. Vu que je fais des choses avec les oiseaux. Ah, oh, des petites enveloppes. Ah, ben elle m'a mis aussi. Wow. Une petite enveloppe à plier. Voilà. Un petit papillon. Voilà. Et des petits tickets. Alors, tout en blanc. Hein. Voilà, super. Alors, tu me diras, je pense qu'il faut que je colorie. Enfin, que je fasse un peu de couleur. Hop. Dans ce défi. Bon, tu me diras ça. Si tu as des choses que je dois faire, je dois colorier les boîtes, je sais pas. On verra. Merci. Eh bien, super défi encore. Hein. Sympa, original. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Hein. Tu m'as gâté, tu m'as mis plein de choses là. Waouh, je suis gâtée comme tout. Merci pour ces jolies découpes aussi là. Pour ta carte et le tag. Voilà. Merci, merci, merci. Et là, je suis gâtée. Tu m'as pourri gâtée. C'est génial. Merci beaucoup. Je vais essayer de tout ranger ensemble. Voilà. On va remettre tout ça. Et tu seras la numéro 13. Donc Amélie, je l'ai oublié de la marquer, mais elle est là. Numéro 12 et la numéro 13. Marie-Noël. Alors Marie-Noël, c'est un S. Voilà. Alors, ben, merci beaucoup. Donc tu es le numéro 13. Je vais le marquer sur ton enveloppe. Numéro 13. Voilà. C'est marqué. Je remets tout dedans et je ferai mon défi, pas tout de suite hein, parce que j'ai plusieurs défis à faire. Je suis un petit peu en retard, mais bon, j'ai le temps hein, voilà, c'est... J'avais dit que je ferai les défis petit à petit hein. Et ben merci, voilà, j'ai plein, j'ai encore 4 défis à faire là. C'est bien, je suis contente, je fais ça quand je peux, j'en ai encore 4 à faire, je suis contente. Voilà, donc merci aux 13 personnes d'avoir participé. Je suis contente d'en avoir 13, c'est bien. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je ne sais pas. On verra. Peut-être il y en aura encore. Je ne sais plus s'il y a encore des personnes qui veulent participer. Voilà, merci pour tout à vous 13. Et puis, je suis super contente. Merci, merci. Voilà. Gros bisous. Et à bientôt. Au revoir.